Donc ce match à Genk, il était important, on savait qu'il était essentiel. Pour plein de raisons, le contexte, les 30 points de l'année dernière, le match de décembre. Donc il était important vraiment de le gagner, et puis surtout pour notre fin de saison, quoi. On a contrôlé le match vraiment pendant une heure, on a été plutôt bon. Avec un peu plus de réussite, probablement un peu plus de patience, avec un peu moins de déchets, on aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt. Mais bon, finalement, je crois que c'est l'histoire de notre saison, quoi, elle est comme ça. Et d'un match que tu dois gagner, me semble-t-il, assez facilement, on se fait presque peur à la fin de faire match, quoi. Donc, mais bon, je crois que c'était un match qui n'était pas simple à préparer. On sentait que c'était un match important. On a su bien se préparer, être à la hauteur du match. Donc, franchement, je suis très content des joueurs, je suis très fier de ce qu'on a fait. C'était le moment de le faire. Toulon, évidemment que c'est un match pour nous très important, forcément, parce que on peut dire que c'est quasiment un huitième de finale, pour le coup. Donc c'est une équipe qui sera d'autant plus dangereuse, parce que finalement, elle est dans la projection de la saison prochaine, donc avec composé de grands joueurs et des gens de qualité qui ont envie de se montrer, donc ça rend une équipe relâchée et dangereuse. Donc il faudra qu'on soit capable de mettre les ingrédients dans le bon ordre. D'abord, assurer un très très bon état d'esprit positif sur le match. Ensuite, assurer la victoire par les bases de notre jeu. Voilà, et après, on verra. Et on a la chance d'avoir un public qui est un public fidèle, connaisseur. Alors je sais qu'ils ont été déçus sur les deux matchs, mais franchement... C'était dur pour nous aussi, quoi. Donc on a besoin d'avoir un soutien populaire derrière, comme ça a été le cas par exemple à Agen, où on avait beaucoup de monde, on les a entendus tout le match. Franchement, ça fait plaisir, c'était même le même cas à Bordeaux. Et on a besoin tous d'avoir un soutien populaire dans notre équipe, d'avoir du monde présent qui encourage l'équipe, parce que ça, c'est important, c'est le moment de le faire. Franchement, je ne le vis pas comme ma dernière saison, je la vis comme une saison de grand défi. Alors, effectivement, moi c'est un peu particulier parce que j'ai quand même passé 15 ans, j'ai joué, j'ai apprécié ces 4 années avec le public, enfin avec le club, avec le public, avec les gens avec qui on a partagé. Et je trouve que j'ai progressé au contact des joueurs, au contact du club, au contact de modeste ambition, parce que si on a un public qui est un public connaisseur, il est aussi exigeant, quoi. Et il nous a obligés de nous remettre en cause tout le temps. Donc effectivement, ça va me... Bon, ce sera... Ça peut être le dernier match à Pierrefin, puisque peut-être qu'il y aura un barrage derrière, on n'en sait rien encore. Mais de la phase régulière, ce sera le dernier. Donc, il est tellement important qu'aujourd'hui, le sportif prend le dessus sur l'affect, quoi. Je ne le vis pas comme ça. Mais peut-être qu'il y aura une pointe, évidemment, d'émotion samedi, enfin, je l'espère. Probablement à la fin du match, plus qu'au début. Voilà, donc j'espère que ça se passera bien pour tout le monde.